il a humanisé sa silhouette, on va dire, après le futurisme un peu... Oui, il est redescendu un peu dans la rue, hein, mais c'était très réussi. Tout est très pointu et en même temps accessible. Les silhouettes sont magnifiques, c'est un sans faute toujours. C'est moins vintage, même s'il y avait encore des pièces vintage, les vestes en tweed, je crois, étaient des reproductions, en tout cas dans la matière. Oui, mais il n'y a aucun rapport vintage, je trouve. C'est, il a, le fait de mélanger des choses avec des références de sport, de mélanger du hippie avec du street, il y avait des classiques, même on pouvait retrouver des inspirations un peu de haute couture assez classiques. C'est très joli, très réussi. Hein. Et les chaussures étaient spectaculaires. Les chaussures étaient spectaculaires, un peu football américain. C'est bien parce que nous, notre prochain numéro, c'est un numéro sur le sport, donc on se sent dans la tendance, avant tout le monde. Dior un choc ou pas un choc ? Dior un choc, oui. Il y a une ambiance Hollywood qu'on trouve partout, qu'on a trouvé à Milan, un peu chez Gucci, un peu Hollywood cinématographique. Et c'était très joli, plutôt portable, très soir. Moi, j'ai beaucoup aimé Dior. Je trouvais ça très beau. Et au niveau des couleurs, il y a des choses qu'on peut piocher chez Dior ou des signes forts de couleurs qu'on va revoir après ou pas ? Oui, de toute façon, il y avait du vert partout cette saison, une espèce de vert très fort, une ambiance salade générale. Et il y avait du rose, du orange. Non, il y a eu le ton déjà Milan sur les couleurs fortes. Et je pense que John, il excelle là-dedans en plus. Donc, c'est parfait. Rick Owens, que pensais-tu de Rick Owens ? Moi, j'ai pas vu. J'ai adoré Rick Owens. C'était magnifique. La façon de présenter est un peu particulière parce qu'il a vraiment un univers très personnel. Mais chaque pièce est sublime. Moi, j'avais envie de tout acheter et de tout photographier. Toutes les pièces en espèce de polonais qui sont... Il arrive à faire des vêtements en mouton retourné qui sont quand même des matières extrêmement lourdes, des vêtements tout petits, et c'était... mais vraiment beau. Et j'adore Rick, lui, la personne. Vous allez où, là, maintenant ? Chez Comme des Garçons. À tout à l'heure.